Bonjour à tous, bienvenue à Chamonix. Ce week-end se déroule un événement mythique, le marathon du Mont Blanc. Au programme, c'est 8 courses, dont un 42 km, que je vais mettre en avant dans ce reportage. Pour que vous puissiez vivre cette aventure de l'intérieur, je vais me joindre aux coureurs et donc je vais de ce pas retirer un dossard. Il y a 2723 inscrits sur ce 42 km du marathon du Mont Blanc. Et parmi ces coureurs, il y a 512 femmes, dont Annick, catégorie B3, qui participe pour la première fois à cette compétition. Annick, ça va? Pas trop stressée la veille de ce départ? Non, ça va bien, j'y vais confiante. La seule chose, c'est un petit peu la chaleur qui va faire un petit peu défaut. Mais je pense que pour pas mal de coureurs, pas que moi, voilà, ça joue. Bonne chance pour ta course. Merci à toi. Donc maintenant repos, je vais rejoindre Marilyn, notre championne de France de trail 2018, pour monter à l'Aiguille du Midi. Salut! Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais. Alors, bien remis de ta course hier? Ça va, ouais, toujours plein d'images en tête, mais voilà, c'était super. Bon, bah allez, direction l'Aiguille du Midi. Marine, tu as fini 3e féminine du 90 km du marathon du Mont Blanc hier. Quel conseil donnerais-tu aux gens qui vont courir le 42 km demain matin? Alors, je ne sais pas si j'ai des conseils à donner ou s'il y a de bons et de mauvais conseils, mais déjà, étant donné la canicule et la chaleur, le principal est la gestion de l'hydratation et de l'eau. Donc, pensez à prendre au minimum 1 litre d'eau, voire plus. Bien remplir ses flasques à chaque ravitaillement et puis se mouiller la tête et voilà, pour éviter les coups de chaleur. Après, sur le parcours lui-même, c'est quand même 42 km et puis beaucoup de dénivelé, donc c'est pas court et ça risque d'être assez long. Donc, ne pas partir trop vite, essayer de gérer un peu le temps pour pouvoir finir jusqu'au bout. Voilà, sinon, surtout prendre du plaisir parce que le parcours est magnifique et il y a des passages vraiment somptueux. Et... Bravo, merci pour ces conseils et on va revisionner ton arrivée en vidéo. Merci. Le marathon du Mont Blanc, c'est aussi un village partenaire où on y trouve de nombreux exposants. Suivez-moi. Donc la bijouterie Claret qui nous offre deux gobelets pliables Alpina. Donc ça va, un gentil de votre part. Voilà, un petit gobelet rétractable. Par rapport à la chaleur qui est bienvenue. Voilà. Très bien, voilà. Merci. Alors attention, 3, 2, 1, sur les gonnettes très serrées, applaudissements pour les dames et les hommes. Voilà, départ avancé à 6h au lieu de 7h à cause de risque d'orage dans l'après-midi. Donc ça a été annoncé hier en fin d'après-midi. Et là, pour cette course, je ne serai pas tout seul parce que je suis accompagné d'une marmotte. Donc, un bon moyen de finir cette course en duo. Fred,
remercier pour toi toute l'équipe et pour tous les bénévoles. Un maximum d'applaudissements, s'il vous plaît. Stéphane et Franck, pas trop stressé? Comment dire, un petit peu, mais ça va bien se passer. Ouais. Ça va bien se passer. C'est la première fois? Ouais, c'est le deuxième. Première pour moi, c'est lui qui m'invite. Ah, c'est lui bien, qui m'invite, c'est cool. Merci, ouais, ça va être chouette. On va profiter, on va avoir chaud, mais il va faire beau. Ça va être sympa. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Deuxième vague. All right, Chimney, let's hear it for the second wave that will be taking off in just a minute here. Je retrouve Anthony du groupe Bref, je fais du trail. Et Anthony, t'es sur ton terrain de jeu aujourd'hui. Ouais, bah, j'y étais pour le 90 pour faire quelques photos pour le groupe à la fraîche là-haut. Et puis aujourd'hui, c'est le marathon. Parti une heure en avance, justement à cause des risques d'orage. C'est pas plus mal, comme ça on court à la fraîche. Il faisait 17. 16-17 degrés au départ, donc on est bien. C'est parfait. T'as pas chaud avec ta marmotte sur la tête, toi? Ça va. Oh, je te souhaite une bonne course. Bah toi aussi. Et on se verra à l'arrivée, je pense. Ouais, ouais, on se retrouvera là-haut, autour d'une bière bien fraîche. Elle sera méritée, en tout cas. Ah Sylvain, oui, ça la va. Stratégie c'est de ne pas se griller sur la première partie. Voilà, c'est ça. Ça c'est très bien ça. Pour être en forme pour la deuxième partie. Très bien. Ah. Je te souhaite d'aller au bout. Ouais, bah toi aussi. Allez, bonne course. Bon courage. Donc là, on est à un quart de course. Alors Lionel, cette première partie,
c'est la plus roulante. Donc pour l'instant ça va quoi. Ouais c'est sympa, mais c'est justement là où il faut faire gaffe. Parce qu'on se met dans le rouge et derrière il y a l'aiguillette des Posettes. Et la descente de l'aiguillette des Posettes, quand on va arriver au tour, il y a la canicule, c'est un four. Ah. Et là, si on s'est mis dans le rouge avant, c'est la fin de la course. Ah, très bien. Pour l'instant, je suis le rythme des deux filles qui sont devant là. Pas un qui se plaint, hein. Parfait ça. Parfait. Ils sont tous en forme. Ouais. Ça va Fabien? Ouais, nickel. Frais comme un gardon. Ah. Ça tient pas trop chaud la queue de castor. Non, ça va. Ah. On dit souvent que j'ai une belle queue d'ailleurs. Ouais, bah ça. Ouais, je préfère que ce soit les femmes qui me disent. Il n'y a pas un gardon. On descend en bas là. Et hop, c'est filmé. Ça c'est toi qui es-tu ? Allez mon champion ! Allez là la cloche ! Merci. Simon. Yes. Bravo. Merci. And your name ? Pascal. Pascal. Nice to meet you Pascal. Monsieur Castor. Ouais. Enfin, Monsieur Marmotte. And Monsieur et, Marmotte. Simon. Hello. Allez, 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 le bikini c'est top. Allez, 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 allez. Ah, le castor. Bravo, bravo! Allez, oh, il est beau! Il est beau! Il est beau! Il a pas chaud! Il est beau. Donc là on va attaquer une grosse montée, donc il faut prendre des forces et bien se ravitailler. On peut dire qu'il y a de l'animation dans cette montée. Quoi t'as le pic, hein? Alors, donc là, il faut. On suit le move. Comment? J'ai reçu le mouvement, là, tranquillement. Ça va, ça suit.
Coucou. Notre meilleur moment, merci. Ah, c'est cool. Parti. Une Marseillaise sur le parcours. Un Marseille en graine de gueule. Voilà. Ah, c'est Marseille. Eh oui. Moi je suis pas Marseillais, mais je suis supporter de l'OM. Ah, je suis habitant de Saint-Marne. Supporter de l'OM. Ah ouais. Allez l'OM. Même si on s'est fait chier cette année, allez l'OM. Les gars, on trottine pour relancer les jambes. Allez. Allez. Elle fait chier, hein. Dans le concours, quoi. Et ouais, mais profitons. Ça fera du bien, en fait. Je vais pas croire que tout est... Tout est rose. Parce qu'après, on va aller monter nos médailles sur Insta, sur ma chaîne. En mode touriste. Ouais, c'est ça. Merci. Une porte toute bonne, elle est ici derrière, quand même. Là on nous annonce que le premier vient d'arriver. Donc on n'est pas loin hein, au final. On est à 22,7. En gros la moitié de course et il est déjà arrivé. Donc là je prends une petite pause de repas pour prendre des forces avant le ravito. J'adore le chapeau. Ça sera même sur la vidéo. Merci. Donc là, on est à mi-course. On a fait l'équivalent d'un semi-marathon. On monte au sommet. Et après, on attaque la descente. Bravo les gars. Bravo Castor. Merci. Allez là, c'est bien. On est là, bien. Bravo les marmottes. Merci. Sympa le chapeau. Merci. Allez John, vous voulez pas passer le titre hein? Bah, bah, bah. Coucou la casquette. Marmotte, elle veut prendre l'eau aussi. Ouais. Merci. Hein? Ah, c'est. Parfait. C'est où? Coca. Une petite éponge pour enlever tout le sel.
le castor a encore pris l'eau, ou la marmotte comme vous voulez. Ah, ça fait un bien fou. Ah, c'est mieux qu'une casquette, hein. Alors, on retrouve le même sentier qu'on a pris tout à l'heure. Tout à l'heure, là, j'étais en train de courir. Concrètement, là, non. Et là, on marche. Sauf qu'on courait tout à l'heure. La différence entre kilomètre 15 et kilomètre 30. Voilà, c'est ça. Merci. Oh, je suis là. C'est du bien. Ah, ils avaient du bien. C'est là. Et la marmotte, elle va dans l'eau. On va tirer un peu la gueule. Hein. Ah. Voilà, le coin de pause de ce marathon. Il est là. Bonjour. Hein. Ah, on est bien installé. Installé, ouais. Bien. Ça s'arrête à ça. Bien, bien sûr, on n'est pas bien. On se demande ce qu'on fait là un peu. Hein. C'est ça. C'est ça. Mais les paysages. Ah oui, ça c'est bien, c'est vrai que là on est bien. Bah voilà. Donc là on est limite avec les barrières horaires. C'est compliqué parce que on est déjà bien fatigué. Donc on verra bien si ça passe ou pas. Merci. Merci. Là, je suis dans le dur, c'est compliqué, voilà, je me suis assis sur un rocher, faut que je reprenne des forces. Téléphone mobile et sifflet s'il vous plaît, barrière horaire dans 10 minutes, après le ravitaillement. Justement. Alors la barrière horaire était juste après le ravito, donc je suis vite sorti, j'étais à 5 minutes de la barrière horaire, et après ben, ils se qualifient tous ceux qui seront derrière dans 5 minutes quoi. Maintenant direction la ligne d'arrivée, en espérant arriver dans les temps. Pour le dernier petit passage un peu merdique. Allez, bravo Pascal, Pierre Gallois. Le raton à Kikou, il a un peu sec. Le raton laveur. Allez, bravo à Delphine.
Laurent Laurence, Florian, également, accompagné de... Bravo. David Coquette. Non, c'est pas Castor, Marmotte. Non, Castor, Marmotte. Elle a bien aidé. Ouais, bah en fait, ça fait éponge. Ouais. C'est tout le temps frais, quoi. Nickel. Ça parle beaucoup de Castor. C'est une bonne idée. Donc voilà, là, on fait la queue pour le téléphérique, pour redescendre sur Chamonix. Et j'espère que ce reportage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Marseille Provence Productions. Et je suis finisher, mais ric-rac. Donc en fait, je pense qu'il y avait plus 45 km que 42. Et j'étais vraiment à 5 minutes de la barrière horaire. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. À bientôt. Lendemain de course, tout va bien, zéro courbature. J'aimerais remercier les organisateurs pour leur accueil, les bénévoles sur le parcours qui ont été formidables, d'un grand soutien. Les barrières horaires vraiment ric-rac, compliquées, donc venez entraîner. J'ai été très limite et il y a eu beaucoup de hors délai derrière moi. Je ne sais pas le nombre exact, mais je pense qu'il y en a au moins 500, hein, si je n'exagère pas. Ensuite, au niveau de l'eau, j'ai pu mettre 1,5 litre dans le camelback qui était rempli à chaque ravito. Et j'ai une portion où j'ai manqué d'eau, donc j'ai bu dans une rivière. Donc prenez au moins 2 litres d'eau en cas de forte chaleur. Bon, voilà mes conseils de débutant, hein, d'un coureur lambda. Et puis je vous dis à bientôt sur d'autres sentiers de la France ou à l'étranger. À bientôt.